Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 d'Assassin's Creed Unity. Donc on s'en est arrêté, on est de rencontrer Napoléon Bonaparte. Je ne ferai pas de blague dessus. Tu fais quoi toi? Voilà. On va aller prendre le journal. Parce que voilà, c'est ma passion. Le journal, c'est ma passion. Quel est ce truc? Qui est vraiment très brillant. Alors d'accord, pour aller chercher le journal, on va à l'intérieur. Bon, je te prends le temps du journal et je m'en veille. Donc on va aller directement à la prochaine mission. El Patrioto. Voilà. La prochaine mission se situe là-haut. Donc ouais. On peut pas se diriger là-haut. Les massacres de Septembre. C'est moi ça? Place de la... Non, c'est pas moi ça. Place de la Révolution. Jouer en public, jouer en privé. Je suis où? Il n'y a pas un coin perché dans le coin. Là, il est là. Et là, il est là. Bon, bah c'est tout. On va se diriger là-haut. Et voilà. Ah oui, donc on est juste à côté en réalité. Bon, je saute très bien, mais c'est pas mon style. Moi, je préfère l'ennui. Moi, je préfère la merde. Voilà. Donc, voilà. Non. Bah, quitte à sauter, t'aurais dû sauter de l'autre côté, bouffon. Bouffonne. Eh, parce que là, du coup, je vais devoir me taper tout à monter, quoi. Ah non, peut-être pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ascenseur qu'on a pris dans l'épisode d'avant... Je suis désolé, vous m'avez jamais vu. L'ascenseur qu'on a pris dans l'épisode d'avant, d'après ce que j'ai entendu dans une vidéo, voilà. Et ben, en fait, c'était les ascenseurs que les rois prenaient pour aller voir leur maîtresse. Au contraire... Pour que les maîtresses viennent voir les rois sans se faire repérer, quoi. Donc c'est une petite anecdote comme ça, bien sympathique, que vous pourrez ressortir quand vous mangez du piment d'Espelette avec un bœuf bourguignon à table, tu vois. Et donc voilà. Il y a des gens bleu jaune. Ah non, ils sont pas jaunes, ils sont rouges. Oh oh, ils m'ont spoté. 50 mètres, ce qui est relativement proche. On peut le dire. Allez, vas-y, monte. Alors, mon offre de faire les vidéos avec des gens qui ont le jeu et qui veulent jouer avec moi tient toujours. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent faire l'émission coop, puis passer sur YouTube par la même occasion, bah, n'hésitez pas à leur en parler, quoi. Voilà. Les massacres de Septembre. Ce matin, j'ai été abordé par trois hommes trimballant une tête au bout d'une pique. Ils ont dû prendre mon uniforme pour une marque de noblesse car ils ont exigé que je crie « Vive la République » afin de prouver mon allégeance. La distribution de cocardes tricolores doit être passée de mode. Qu'avez-vous fait? J'ai crié « Vive la République ». En homme de principe. Ma dignité m'est bien moins utile que ma vie. Voilà ce qui se passe lorsque l'on confie le pouvoir à des fous affamés et le commandement de l'armée à des sauvages trop avides de sang. Rouille. J'ai voulu le faire affecter à une garnison éloignée, mais manifestement, il ne semble pas manquer d'amis très haut placés. Il est intouchable. Mais vous savez où je peux le trouver? Il se dit dans les casernes qu'il comptait marcher sur le Grand Châtelet avec un détachement de ses sbires cet après-midi. S'il devait avoir un accident, rares seraient les Français à en souffrir. Et ma carrière ne s'en porterait que mieux. Alors, aiguisez vos talents d'orateur. Thank you.
Prenez leurs armes. Que personne ne bouge. Allez les gars, trouvez-moi le gardien chef. Le Châtelet. Assassiner, rouille, explorer le secteur, créer des opportunités. 5 entrées, une entrée secrète, objet à collecter 2 et 40 gardes. On est donc à l'hôtel de ville. Mais c'est vraiment beau, on va pas chier. Donc voilà, on va aller là. On va observer un peu vite fait les environs et puis voir par où je pourrais rentrer éventuellement. Il y a l'air d'avoir un souterrain, donc on peut peut-être rentrer par l'intérieur. Il y a des tours où on va faire attention. D'après ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir des gens au-dessus. Il y a une grande entrée ici, qui est fermée bien évidemment. Sinon ça n'aurait pas été très très drôle. Qu'avons-nous d'autre? Une autre entrée, cette fois-ci elle est ouverte. Donc ça veut dire qu'à mon avis derrière il doit y avoir des gardes. On va passer par ici, il y a l'air d'avoir peu de gardes. Si tu veux bien rentrer. Merci. D'accord, donc en fait je me suis couillonné tout seul. Ainsi cherché, il n'est pas là. Et merde, il va arriver, tant pis, je vais buter, comme ça il me prend moins chier. Très bien. Opportunité d'aide, opportunité de diversion. Et juste lui là, il est en train de jouer à cache-cache. Ah non, 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Par là qu'avons-nous? Des escaliers. On va monter hein, à la Vienne. Par ici on a une fenêtre. Faut vraiment observer. Maintenant je vais arrêter de faire le connard et puis vouloir finir l'émission très rapidement. Je vais vraiment observer le truc. Tu vois, dans 2 secondes je vais me faire choper et puis je vais dire ouais. Putain tu fais chier, voilà, tu vois, je t'avais dit que j'allais me faire repérer. Tu m'en veilles. Non, non, remettez-moi en cellule. Oh putain. J'entends ça. Fuyez, ils vont tous nous tuer. Il y a personne qui m'a repéré là. Non, éloignez-vous là. Je me demande quel bruit fait la tête de pain quand elle se brise comme un œuf. Ouais vas-y là, tu montes, t'es gentil, allez vas-y. Va jusqu'à la fenêtre. Il m'a repéré là. C'est impossible. Oui, il ne peut pas être bien. Oui, d'accord, il me repère à travers les murs. Un homme ne disparaît pas comme ça. Enfant de putain! Silence! Non! Il était vraiment trop. Nul! Tu vas payer! Dommage. Je suis mort. Oui, c'est génial. Qui est le petit-fils de qui m'a tué à distance comme ça, qui a pas du tout de dignité, qui a pas du tout d'honneur. Hein, d'honneur, voilà quoi. Oh, tiens, ça me rappelle quelque part. Bon.
Oui, d'accord, en fait, il fallait que j'aille ici. Hop. Allez-y, là. Oh. Oh, fait des trucs qui servent à quelque chose, style ça, tu vois. Hop, et je suis venu ici pour de la merde. Merde. Vite. Ah, tu aurais mieux fait de rester chez toi. Eh bien. C'est dangereux par ici. Hop, voilà. Bon. Oh, ils l'ont empalé dedans, quoi. Ça se fait pas, quoi. Alors, je sais pas du tout comment on peut réaliser les... Je vais peut-être zoomer un peu sur la map. Donc, tout en haut, il y a l'air d'avoir un truc. Et dans la cour, là, il y a l'air d'avoir un autre truc. Donc, peut-être que c'est la cour où j'étais. Et justement, dès que j'aurais tué les gens, dès que j'aurais tué les méchants, les gens vont rentrer dans la cour. C'est probable. Bon, les gens ils ne sont plus là. Après terminé, il n'existera pas. Un monstre. Jeté à l'œil. Oh putain! T'as plu toi? Donc vous voyez, il y a encore des bugs parce que là je suis bloqué par un. J'étais bloqué par un... Comment ça s'appelle ? Par un bout de bois, quoi. Donc, même malgré la machine, il y a encore des bugs. Ok. Donc je peux pas monter ici. Là-bas non plus. Ne nous obligez pas à vous le faire payer. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Gardez un œil sur eux. Comment je vais pouvoir faire ? Je vais balancer ça là-bas. Personne ne bouge. Ça suffit, ce genre de présenterie. Dieu vous fera payer. Citoyens, halte. Voilà, et on se cache pour éviter les tirs de l'autre bouffon. Mais qui t'a tué, toi ? Merci, monsieur. Je ne sais pas quelle est ton unité, mais merci. Tu peux me remercier en reprenant ton poste et en arrêtant ce massacre. Eh, vas-y, monte. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Bon, l'autre méchant, il est là-bas. On va monter tout en haut, vu qu'il y a un autre truc à faire. Garde libérée. Donc, les gardes, en fait, ils vont aller se battre... Ouais, se taper, bolo. Mais ouais, se battre. Et du coup... Oh oui, un coffre. Génial. Oh oui, d'accord. En fait, je suis venu ici, mais c'est plus la merde. Il y a rien à faire, quoi. Bon, ici, il n'y a rien à faire non plus. Ok, d'accord. Donc, je suis obligé de passer par ici. Par ici, ou alors il y a une fenêtre qui est ouverte, peut-être. Là-bas, il y a une fenêtre. Ou je peux peut-être passer par ici. On va essayer. Non. Il veut pas. Il y avait une porte. Est-ce que la porte est ouverte? Non, elle est pas ouverte, mais ça permet de monter. Okay. Donc on va monter. Voilà. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Franchement, dans celui-ci, vraiment, l'œil d'aigle est vraiment très 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 utile. Qu'est-ce qu'on va faire des corps? Bah, laissons-les. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Ça s'appelle la gratuité et la discrétion. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je peux pas les libérer ces gens-là. Je sais pas, ils avaient l'air d'être gentils. Non. Non, on va aller par là. Hop, tu dors. Merde, pas par ici. Hop, voilà. Comme ça, c'est réglé. Courage, soldat! Mettez-les en pièces!
Voilà. Ce n'est bon. Restez en ligne. Termine. Salut, Arbor. C'est j'ai des gardes français. D'accord. Donc là, on part sur sur deux décès ou sur la mort. Non. Oh putain. Quoi d'autre? Oh putain. Non! Ici! Il fait pas des peurs comme ça, toi t'es un ouf ou quoi? Allez! Move your body! Oh là 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 là! Je t'ai dit bouge! Tu vas pas rester 3 heures! Voilà, il y a des morts et puis alors? C'est la vie quoi! Bon, hop! Ah, ils s'en battent totalement les couilles quoi! Bon voilà, c'est la gratuité, on va te dire. Hop. Ah non, d'accord, en fait ça sert... Putain, mais totalement rien quoi, je me suis dit je vais libérer des gens et tout, truc de ouf. Non, non, non. En fait j'avais juste à passer par la fenêtre et puis à continuer quoi. Continuer ma vie quoi. Tout en haut il y a un truc, opportunité de diversion. On va y aller, puis on va la faire hein. Quoique. Tombe, il est free, mec. Non, il est pas fou. Mais. Oh là, me fais pas des peurs comme ça, j'ai cru que t'étais en train de sauter comme un bouffon. Hein. Bon, tu montes. Hein. Hop, en haut il y a un truc allumé. D'accord, ouais, mais j'ai envie d'aller buter les mecs qui avaient en haut. Ils ont fait, ils ont tué des méchants pas beaux. Oui, c'est vrai. Oh, c'est rouge. Pourquoi je suis désynchronisé? Ouais. C'est pour une fois, je fais un truc de ouf et tout, mais je suis désynchronisé quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à faire là-bas? Oh non, redescends pas! Je remonte direct! Il faut que j'allume un truc! Ouais, mais là je vais me faire choper! Voilà! Ah oui, d'accord! Bon, les tireurs sont écartés. Gardien, son frère trouve que tu manques de manières. Je te préviens, il a perdu du poids depuis sa dernière visite. Il faudrait que je lui rush sur la gueule. Il faudrait. Je suis terriblement désolé, gardien, mais nous n'avons pas trouvé le reste de sa personne. Voici. Voilà. Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force. Car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes! Ah, mais administrer, c'est gouverner.
gouverner, c'est régner. Tout se réduit à cela, et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux ? Plaît-il ? Palais du Luxembourg. Oui ! Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Je vous avais bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamez-les. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Mais procédez graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux. Et maintenant, on court. On run ça à life. Tu cours, tu voles, tu... Oh putain, je suis mort. Je suis anonyme, moi, ma gueule. Oh, tu fais quoi, hein? Tu fais quoi? À la limite, tu feras un fuck, quoi. Ouais, je suis là-haut. Je suis tranquille, je suis au calme. Succès déverrouillé, piste sanglant. Continuez. Donc les amis, voilà, ça fait 23 minutes pour une fois que je fais une mission sans mourir vraiment. Enfin, en évitant vraiment de crever comme une grosse merde. Je suis assez satisfait, assez. On va aller personnaliser le personnage vite fait, ça sera fait. Also. Je vais augmenter la discretion. Aptitude permettant de partager la vision d'aigle avec des joueurs alliés. Donc ça c'est pour le multi. Crochetage. Je pourrais bien prendre ça. Santé. Résistance nettement accrue aux dégâts subis au combat. Et ça me donne... l'aptitude permettant de soigner les joueurs proches lorsque vous êtes en équipe. D'accord. Je vais m'offrir ça. Portée, je peux me faire quoi? Cage d'assassin. L'aptitude permettant de créer une cage d'assassin qui vous permettra ainsi qu'à vos alliés de récupérer des bombes et d'autres. D'accord. Bourse, ça donne des sous aux gens. Donc c'est gratos. Vas-y, donc on va prendre. Au corps à corps, qu'est-ce que je peux faire? Alors, mettre à longue arme à distance. À longue arme, mettre à l'arme à une main. Je vais prendre ça. Et puis l'indiscrétion, je vais prendre ça. Ah mais non, je fais pas. Bon ben. Allez, on va prendre ça. Hop, ça sera fait. Partage sensitif. Qui est acheté n'est plus à acheter. Donc voilà. Et je vais voir ce que je peux acheter. Mais vu ce que j'ai, je vais pas pouvoir acheter grand chose. Donc avant-bras, je vais prendre l'avant-bras napoléonien pour aller avec le reste. Bien entendu, je ne l'ai pas, donc c'est fait. Ceinture de rôdeur, napoléonienne, hop. J'ai pris une ceinture napoléonienne, voilà, qui va me rapporter énormément de résistance vu que c'est une ceinture. Et il ne faut jamais négliger la ceinture, c'est quelque chose de très important. La ceinture, c'est ma passion. Ok? J'aurais pu acheter toute la tenue. Oh, ouais! Il n'y a pas la toute première d'Ezio. Ils la mettent jamais, hein, Shy. Tenue de garde franchiade. Maître assassin Arnaud. Maître assassin Thomas de Carnéon. Tenue de pilleur. Tenue Arthur de Bonaparte. Masque de fer. Oh là là, je suis le méchant dans je sais plus quoi. Merde, je sais plus dans quoi il y a un méchant qui...
Enfin bref, les amis, on se laisse là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bon, on se retrouve pour l'épisode 12, 13. Ciao.